Le ministre Albert Mabrouk Touakos en tournée de sensibilisation pour la cohésion sociale et le développement dans la sous-préfecture de Gogio, dans le département de Daloa. Le ministre d'État, ministre du plein développement, veut amener la population à comprendre le programme national de développement. En visitant les centres de santé de cette localité, il a pu constater la difficulté de la population à accéder aux soins de santé. Le docteur Albert Mabrouk Touakos a annoncé aux populations de la sous-préfecture de Gogio que la réponse à ces difficultés réside dans le programme de développement du président Alassane Ouattara. Il a par ailleurs invité la population à l'union et à la solidarité pour faire barrage à la pauvreté. Aux chefs de communautés et de villages, Mabrouk Touakos demande de faire du vivre ensemble une réalité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que la chefferie s'implique dans la question du redressement au niveau de notre région. Cette question de développement qui quelquefois se présente est également un souci majeur. Mais il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit un, comme on a vu les anciens, pour que la paix revienne. Et pour qu'on ait le temps, parce qu'avec la paix, tout le reste est possible. Après Gbogué, le ministre d'État, Albert Mabrouk Touakos, s'est rendu à Bitapia et Bolia, deux villages du département d'Issia, où des doléances portant sur leurs routes, les écoles et l'électricité ont été éclairées. L'envoyé du gouvernement a exhorté la population à la patience pour voir leurs problèmes résolus grâce au président de la République, et ce, à travers le programme national de développement, PND. Le ministre d'État, Albert Mabrouk Touakos, a terminé son adresse par une invite à la culture de la paix, au pardon et au vivre ensemble, des valeurs chères au chef de l'État. La visite du ministre Albert Mabrouk Touakos dans le Haut-Sassandra s'est achevée par une finale de tournoi de football.